À la 16e édition du Salon international du jardinage de Ouagadougou, la communauté Pulls du Sahel a encore marqué des points. Là, la culture, l'invention, l'inventivité, l'ingéniosité Pulls a marqué des points encore une fois devant des milliers de spectateurs qui sont venus admirer leur savoir-faire en matière de la productivité et de l'inventivité. Ces Pulls, venus du Sahel burkinabé, ont exposé ce qu'ils ont appelé autrefois leur chambre à eux. Une chambre qui est comme un coffre-fort qui permet de vivre depuis longtemps, une pratique ancestrale depuis plusieurs siècles. Il s'agit de l'invention Pull dans laquelle on peut trouver tout ce qu'il faut. Un lit, des œuvres d'art, du repas, du confort, mais et tout ce qui est attrait au confort, mais aussi à la beauté de l'œil. À l'intérieur de ces avoir-faire, on est vraiment impressionné lorsqu'on y rentre. On lit beaucoup de choses, des écritures en polar. Pour la communauté Pulls, c'est une pratique ancienne, tramée de génération en génération, qui a permis d'arriver en 2023. Et pour le Pulls, c'est un savoir-faire gardé secrètement, puis transmis, puis gardé, afin que le Pulls soit connu comme l'une des plus grandes communautés d'Afrique, mais aussi l'une des plus grandes cultures de l'Afrique des millénaires. Aujourd'hui encore, au cours de la 16e édition, la communauté Pulls a fait montre de son savoir-faire. Elle a exposé ses jeux d'art, ses œuvres d'art, ses œuvres artistiques, ses inventions, sa poterie, sa peinture, sa culture, sa sculpture, ses tissus, mais aussi son art plastique. Pour les passants, la communauté Pulls, depuis toujours, a toujours montré qu'elle était capable et qu'elle est au cœur du rayonnement de l'Afrique au 21e siècle.